Alors, cette news va vous en boucher un coin. Angèle déclare qu'elle est polyamoureuse, pansexuelle, pardon, je me suis trompé. Et du coup, les pro-trans la cancellent parce que elle la traite de transphobe. Donc, j'y comprends plus rien. Elle dit, je peux tomber amoureuse d'un garçon, d'une fille, d'une personne non binaire, transgenre. Donc, elle a révélé être pansexuelle. Et voici les réactions des trans. Pro-trans, regardez. La chanteuse Angèle, taclée par des pro-trans après avoir fait son coming out pansexuel. On rappelle, Angèle, c'est la super féministe ultra woke, mais elle se fait même cancel d'être accusée de transphobe. Change my mind, mais la démocratisation du pansexuel a trop contribué à normaliser la transphobie. Vraiment, 95% du temps, impossible de différencier ça de la bisexualité sans tomber dans les penchants transphobes, c'est trop grave. Je vois pas trop le rapport du coup. Est-ce qu'on doit à nouveau expliquer le fait que transgenre, c'est pas un genre et que c'est transphobe de se dire pansexuel parce qu'on pourrait date une personne trans? Oula, je comprends pas là, j'ai pas envie de réfléchir, je vous avoue. Alors, je l'aime bien. She's never beating the white liberal, féministe blanche libérale, allégation. Il faudrait songer à se politiser hors des posts Insta et Tumblr de 2015. Je suis féministe, mais il faut quand même reconnaître que certains d'entre vous sont parfois très connes. Cette logique, encore une fois, aucun sens, puisqu'un homme trans égale un homme, et idem pour les femmes, vous êtes juste transphobe. Ok. Elle a dit transgenre, le quatrième genre. What did she say? Les gens qui disent ça, tu les verras jamais de leur vie en couple avec une personne transgenre, curieusement. Comme si on répétait pas assez que l'existence même de la pansexualité est intrinsèque à la transphobie. Donc être pansexuel, c'est être transphobe. Ok, j'ai compris. C'est bizarre. Dis donc, elle cumule les sauces, elle qui voulait dire laisse-moi te chanter, je voulais pas passer à la télé ou tout ça, mais avec son frérot qui fait des crimes contre l'humanité. Onas. Ok. Bon voilà, les trans ont cancel Angèle parce qu'elle se déclare de la communauté LGBT. Moi je ne comprends plus. Pardon, mais je comprends pas pourquoi ce serait transphobe. Bah, faut pas chercher des fois. Mais voilà, c'est fou. Et vous, Angèle, transphobe ou pas? Laissez vos avis dans les commentaires. À plus, à Auguste.